You could tell that his back was sore as he come walking through the door. He kissed mama and sat down for supper as his usual place. Then we'd bar our heads for grace. Donc, ce sont des spectacles qui sont mélangés à travers certains festivals, comme ici ce soir. Ici ce soir, c'est un festival qui était dédié pour les personnes handicapées de la région de Trois-Rivières. Il y a des festivals qui sont... Il y a des différences un peu partout dans les régions, mais en général, les festivals, c'est des événements qui fonctionnent depuis plusieurs années. On a à peu près 60 festivals par année. J'en faisais pas beaucoup avant. J'ai commencé, ça fait rien qu'une quelques années, vu que j'étais en Europe depuis X nombre d'années, vous le savez. Mais maintenant, j'en fais quand même, je te dirais, une quinzaine de festivals comme ça par année. Puis à travers de ça, je me spécialise, là, évidemment, avec mon band à moi. J'ai mes musiciens de United Cowboys. C'est un nouveau band qu'on a formé. Et puis, qui s'en va, bien sûr, à Nashville, qui s'en va dans l'Ouest canadien. Et puis, probablement pour les trois prochaines années aussi en Europe, donc Suisse, Belgique, France, Espagne. Comme j'ai déjà fait le tour, mais je veux retourner parce que ça fait 2 ans déjà que je n'ai pas été en France et en Suisse. Surtout en Suisse, ça fait un bout de temps. Là. Lausanne, pour moi, ça a été un festival super. J'ai trouvé que Lausanne, Genève, c'était des villes propices aussi à ça. C'est des villes multiculturelles, puis c'était ouvert à tout ce qui est bon est écoutable. C'est-à-dire que peu importe la musique, comme les Chinois en Chine, peu importe le style, si c'est bon, si c'est vraiment bon, on le prend. Si on prend un Garth Brooks qui a vendu peut-être 125-130 millions d'albums, il n'y a aucune raison sociale qu'on ne l'entende pas sur nos radios aujourd'hui. Aucune raison. C'est un gars qui a vendu autant d'albums que Céline Dion. On ne l'entend pas, on n'a pas la chance. Vous savez, c'est tout à fait normal. On est dans des pays qui sont fiers de leur langue. On est fiers de notre français. Je pense que la plus belle langue parlée, c'est le français. Je trouve que c'est la plus belle façon de parler. La plus belle façon de chanter pour moi, c'est en anglais. C'est mélodieux, c'est ce que je trouve le plus beau de cette langue-là. Mais, tu sais, pour moi, le français, c'est ce qu'il y a de plus beau à parler. Puis, c'est que les accents sont changeants aussi. Si vous venez chez nous, vous allez côté Montréal, puis vous en allez vers Trois-Rivières, ça change déjà. Québec, ça change encore. Les Maritimes, vous les comprenez même plus, là. Et puis, dans les États-Unis, moi, j'ai travaillé surtout à Nashville, dans
dans ces coins-là, le Kentucky. Je les comprends très bien, mais c'est pas officiellement et garanti que les gens de New York vont comprendre les gens de Nashville ou du Texas. C'est pas sûr qu'ils vont comprendre. Vous savez, on parle le français, vous avez souvent de la misère à nous comprendre, vous avez souvent des difficultés à nous comprendre, mais nous, on parle le vrai français. On parle ce que vos grands-parents parlaient et les grands-parents de vos grands-parents parlaient. C'est pour ça que quand on se retrouve dans des villes, j'ai beaucoup de noms de villes en même temps, là. Quand on se retrouve dans des villes comme dans le nord de la Normandie ou des villes où Jacques Cartier demeurait, où Samuel de Champlain demeurait, où j'ai passé plusieurs fois en visite, puis il y a plus de drapeaux du Québec dans ces villes-là qu'il y en a au Québec. T'sais, les gens, il faudrait qu'on le conscientise. Ils sont des fervents amoureux de nous. Moi, j'étais un amateur de Saint-Malo. J'étais un gars qui a passé beaucoup de temps à Saint-Malo. Et puis, là-bas, c'est magnifique. Et puis, je pense qu'on est beaucoup bien représentés, mais on vient de là aussi. Mes racines viennent de l'Irlande. J'étais un Irlandais de racines. Je viens du Nouveau-Brunswick, mais pour nous, on est des gens qui viennent de chez vous, des gens qui viennent du nord, que ce soit de la Belgique, à aller jusqu'à Normandie, en Bretagne et partout. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the hands out for the tide of light. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is true. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Vous savez, on a le même phénomène que la France au Québec. On n'a aucune radio qui joue du country américain. Donc, c'est totalement impossible pour un Québécois de connaître le country américain vraiment.
Bon, oui, ils vont acheter des disques, mais très peu. Oui, ils vont écouter Internet, mais très peu. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal que ce qui s'est fait dans les années 70 répercussionne aujourd'hui. Parce que dans les années 70, les Johnny Cash, les Porter Wagoner, les Hank Snow, ça venait faire des concerts à Montréal. Mais maintenant, c'est terminé. Alan Jackson vient à Saint-Tite cette année, mais c'est vraiment une chance, un miracle, je ne sais même pas. Parce que vous savez, il faut être logique puis intelligent. Ces gens-là sont dans une business. Si le pays où tu vas jouer ne te fait pas vivre, pour ces gens-là, il n'y a aucun intérêt d'y aller. Vous ne verrez malheureusement pas Garth Brooks en France. Vous ne verrez pas Alan Jackson en France. Parce qu'ils vendent 900 albums par année. Donc, pour eux, ou peut-être pas pour eux non plus, parce que nous, les artistes, on décide pas tout. Probablement pour les producteurs de disques, ça sert à rien. Vous comprenez? Allons. Donc, pour nous, on a de la chance. J'ai fait les premières parties de Kenny Rogers, les deux soirs, il y a deux ans à Saint-Tite. Puis Kenny Rogers, c'est un des gars qui vend le plus d'albums dans le country au Québec. De toute façon, c'est un gars extraordinaire. Ça a été un gars qui a été très bien. Fait un bon concert. Puis, non, chez nous, c'est pareil comme dans une chance comme la France. On n'a pas de radio pour nous représenter. Les radios qui nous représentent très mal. Il y a trop de publicité qui ne sert à rien. Puis au bout de la ligne, ben, malheureusement, on n'est pas entendu. Donc, on ne peut pas rien y faire. Le CRTC canadien a décidé qu'il voulait avoir tant de pourcentage de musique française. Puis c'est pour ça qu'on entend totalement le contraire sur les radios d'aujourd'hui. Here comes that sorrow of today's day. I am a man. Pas que c'est nouveau. Je pense que
c'est pas, je pense pas que ce soit nouveau. Mon ami Paul Magbonvin, que vous connaissez très bien, il est producteur de vin d'ailleurs, qui est un de mes amis, qui est un pianiste extraordinaire, un des grands amis de Jerry Lee Lewis. Lui tourne en Suisse et demeure en Suisse d'ailleurs, où il y a un café. Et puis il tourne en Suisse, je te dirais, depuis probablement 20 à 25 ans. Fait que c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est sûr que la notion du mot festival probablement est nouvelle. Dans la tête, parce que chez vous, vous avez une qualité de production de soirée de spectacle qui nous surpasse quelque peu. C'est-à-dire que probablement que les villes vous donnent la chance d'avoir des budgets plus intéressants, donc d'avoir réellement les gens sur place nécessaires pour faire ce qu'on a à faire. Puis à chaque fois qu'on se présente là-bas, on arrive avec nos musiciens, notre monde, puis à chaque fois, on est bien accueillis, mais moi, je pense que la Suisse, c'est le pays européen que j'ai fréquenté qui ressemble le plus au Québec. Vous êtes pareil comme nous autres. Vous êtes calme. Calme, mais vous ne vous laissez pas marcher ses pieds. Nous autres, on est des gens, les Québécois, on est un peu comme les Corses. On est très drastiques. On est gentils ou pas gentils. Okay. On est rarement entre les deux. Okay. Puis on est un peu comme ça. Les Suisses sont aussi comme ça, je pense. Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will. À dire, c'est que nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amateurs de musique country, mais on a surtout des amateurs de bonne musique. Donc, peu importe le style que vous faites, l'important, c'est que vous le faites avec cœur et que ça se fasse bien. Et vous faites ce que vous aimez. Faites pas ce que le monde veut que vous faites. Faites ce que vous aimez. C'est la façon la meilleure pour faire réagir votre public. Okay. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jesse. Ah, good. À très, très bientôt. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci énormément. Écoute, j'ai très hâte de vous retrouver chez vous. J'ai hâte de revoir vos grandes montagnes et vos villes immenses, magnifiques. Puis je vous souhaite un très beau bonjour. Merci. À la bientôt. Love is unconditional. We knew it from the start. You can feel it from my heart. From here on out through, stay the way you are right now, and share all the love and laughter that a lifetime will allow. I cross my heart and promise to give all I've got to give to make all your dreams come true. And all the world you'll never find a love as true as mine. You'll
face. I cross my